On dirait pas comme ça, mais j'ai une recette secrète pour réussir tout ce que je fais. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis en train de vous tourner en revenant du sport. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer un truc que je fais depuis maintenant plusieurs années, qui est ma recette du succès dans tout ce que j'entreprends. Dès que je veux décider de faire un truc, dès que je veux essayer de faire quelque chose et devenir bon dans quelque chose, c'est systématiquement la recette que j'applique. Cette recette, tu peux l'appliquer dans ta vie, cette recette, tu peux l'appliquer dans ton business, cette recette, tu peux l'appliquer partout où tu as envie. Et moi, elle m'a plutôt bien servi. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai fait du sport. Je vais m'asseoir 30 secondes, ça va être plus simple, on va pouvoir se parler plus calmement. Voilà, attends. Voilà. Ah, c'est mieux là. Ah là, je suis bien. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu essaies de faire quelque chose de nouveau, le plus difficile c'est toujours le début. Le plus difficile c'est quand tu essaies de devenir bon dedans. Le plus difficile c'est quand tu essaies de t'améliorer et que tu vois qu'il y a encore plein de choses que tu comprends pas. Et dès que tu ouvres un tout petit tiroir, tu vois qu'il y a un million d'autres tiroirs de trucs dedans que tu sais pas, que tu comprends pas. Et je me rappelle d'avoir eu cette sensation dans le business au début quand j'ai commencé. Et dès que je découvrais un truc, je me rendais compte de l'étendue de mon ignorance. Et ça me fait pareil dans le sport, quand je démarre un sport, que je me rends compte à quel point je suis pourri, parce que moi je ne fais pas partie de ces gens qui ont fait du sport toute leur vie. Ça m'est venu très tard, je commençais à m'y mettre entre 20 et 25 ans par avant. Enfin, quand j'étais gamin, moi, je geekais sur la quatrième prophétie, voilà, un vieux jeu T4C, je geekais là-dessus derrière mon ordinateur. Donc c'était pas vraiment le sportif, tu vois, c'était pas le premier qui était choisi au foot à l'école. C'était plutôt le contraire. C'est moi, si je finissais dans les buts, les gens ils disaient que j'avais perdu le match. Et à force, en fait, j'ai dû développer pour réussir des trucs dans ma vie. Une certaine forme de discipline, en fait, pas une discipline où tu te fais mal, mais une discipline où tu t'imposes des choses, mais d'une façon qui te plaît. C'est ce qu'on enseigne dans le programme Mercure. C'est en fait, c'est comment utiliser les bonnes choses de la discipline, les bons effets de la discipline, mais d'une façon qui n'est pas désagréable. Moi, je suis pas un soldat de l'armée américaine. Moi, me faire mal et me lever à 4h du matin en souffrance parce que les vrais hommes, ça souffre, c'est pas la masculinité toxique, moi, c'est pas mon délire. Hein. C'est-à-dire que dans mon travail, je suis plutôt à l'envie et au plaisir. Et c'est ce que je transmets en fait. Hein. C'est dans le programme Mercure pour les coachs, c'est ce qu'on transmet. Tous nos coachs qui travaillent avec nous, on leur montre comment trouver du plaisir dans ce qu'ils font, mais du plaisir avec de la discipline, c'est-à-dire comment aimer le continuer à le faire même quand c'est dur, tu vois. Et donc j'ai développé une recette du succès. Et pourquoi je pense à ça? Et je vais t'expliquer la recette juste après. Pourquoi je pense à ça? C'est que là, on sort de la période de confinement, de machin, de trucs et tout. Et pendant, comme tous les Français, hein, pendant 3 mois, j'ai quasiment plus pu faire de sport. C'est-à-dire que je faisais du street workout et de la force athlétique en salle, je pouvais plus en faire. Je faisais de la course à pied, bah, 1 km autour de chez toi, c'est compliqué. J'ai bu plus, j'ai mangé plus mal, j'ai refumé, etc. Donc je suis pas vraiment en grande forme. Je suis sorti courir la première fois, j'ai galéré à courir 30 minutes. Je faisais des marathons, des ultra trails avant. Et là, je reviens du street workout. Et avant, en fait, je pouvais faire 20, 22 tractions. Je pouvais faire 12 tractions à 15 kilos. Et là, à poids de corps, j'ai du mal à en faire 6. Et je sais que je vais retrouver mon niveau d'avant parce que j'ai une recette secrète pour réatteindre le succès. Et en fait, la recette secrète, c'est de trouver un moyen de te passionner pour le chemin. C'est-à-dire, ça a l'air très con comme ça, effectivement, et la phrase en elle-même, elle est débile. Si tu t'amuses dans la progression, si tu trouves un enjeu qui t'intéresse assez pour t'amuser dans la progression, alors en fait, tu vas kiffer être nul. Parce que tu vas kiffer être nul parce que ça va te permettre de t'améliorer. Et si tu peux t'améliorer, tu vas avoir plus de résultats. Et donc, tu vas progresser. Et donc, tu auras envie de pratiquer plus. Et donc, tu vas t'améliorer. Et donc, tu auras plus de résultats. Et c'est une boucle en fait hyper positive qui marche dans le business, qui marche dans le sport, qui marche dans tout ce que tu peux faire. Le problème, c'est que pour arriver à faire cette boucle correcte, je suis désolé, je gigote des bras, mais j'ai trop mal aux épaules. C'est horrible, j'ai des courbatures de bâtard. Je l'ai fait il y a une heure, je vais mourir. Pour réussir à être dans cette boucle positive, en fait, il faut déjà que tu connaisses un peu le chemin. Il faut déjà que tu saches un peu comment ça marche. Parce que sinon, en fait, tu vas faire des trucs dans tous les sens. Et en faisant des trucs dans tous les sens, tu vas pas avoir de résultats. Tu vas pas progresser, donc ça va te faire chier. Donc ça va être de plus en plus dur jusqu'au moment où ça va vraiment être difficile. Tu auras un vrai point de friction. Tu vas arrêter parce que ça fait chier. Parce que se battre encore et encore et encore pour le même truc, sans prendre de plaisir, sans avoir de résultats, sans apprendre de nouvelles choses, c'est une tannée, c'est horrible. On n'a pas envie d'avoir ça dans la vie. Attends, je vais me relever parce qu'il y a des gens de nouveau. Voilà, parce qu'on va éviter d'avoir la famille Bidochon qui est sur la vidéo. Donc, ce que je te disais, si tu veux avoir des résultats, si tu veux vraiment profiter, si tu veux kiffer ce que tu fais, il faut que tu sois dans un cercle vertueux de la discipline. Le cercle vertueux de la discipline, c'est je fais un truc parce que j'ai envie de devenir bon, donc déjà ça me fait kiffer de me dire que je vais être bon. Il faut une vraie volonté de vouloir être bon dans ce truc-là.
Ensuite, tu vas commencer à chercher la bonne méthode pour le pratiquer, ce truc-là, pour t'entraîner. Tu vas regarder comment est-ce que font ceux qui s'entraînent bien, etc. Et tu vas prendre là-dedans ce qui te plaît vraiment à toi, ce qui te fait kiffer. Et ensuite, là, tu vas t'insérer une petite discipline. C'est pas toujours facile, mais vu que tu as une volonté vraiment d'être bon et que tu kiffes l'idée de devenir bon, en fait, les efforts, c'est pas grave. Les efforts, ça va être OK. Les efforts, ça va te plaire. Et derrière, en fait, c'est faut trouver la bonne méthode, le bon chemin. C'est ce qu'on transmet dans le programme Mercure pour les coachs qui veulent avoir des clients avec le système le plus simple possible. En fait, justement, c'est ça. Hein. C'est là où on se différencie de tout le reste du marché. C'est que notre système marketing, c'est le plus simple qui existe. C'est sans pub, sans tunnel de vente, sans tous ces trucs-là. Et tu appliques ce système avec une volonté de devenir bon et d'avoir vraiment ce que tu veux. Et vu qu'en fait, tu te connectes au plaisir de le faire et au kiff que tu vas avoir d'être vraiment bon dans ce truc-là, en fait, c'est plus du tout difficile. T'as enlevé toute la difficulté en fait, ça va devenir facile. Puisque de 1, tu aimes ça, tu aimes le processus et tu as hâte du résultat. Mais ton bonheur n'est pas corrélé au résultat, ça c'est très important. Parce que j'ai remarqué un truc chez nos clients, ceux qui corrèlent leur état interne au résultat, c'est des gens qui vont tomber dans un cercle vicieux de merde dégueulasse. Et ce truc-là, moi je l'ai vu des dizaines de fois malheureusement chez des clients. En fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est un cercle vicieux où t'as corrélé comment tu te sentais à l'intérieur et est-ce que tu étais bon, tu as corrélé ça au fait d'avoir ou pas des clients, de vendre ou pas. Et il y a des périodes dans la vie d'un entrepreneur où tu vends moins en fait, c'est normal. Hein. Ça peut être l'été, ça peut être l'hiver, ça dépend de ton business, ça dépend de plein de choses. Il peut y avoir un problème dans ton marketing, il peut y avoir plein de raisons au fait que tu n'es plus du tout de clients et que tu ne vendes plus du tout. Et à ce moment-là, le problème, c'est si tu as corrélé ton état interne et ton bonheur et l'image que tu as de toi et l'amour que tu te donnes au fait d'avoir des clients, en fait, t'as plus de clients, donc tu t'aimes moins. Donc ça nique ton état interne. Vu que ça nique ton état interne, t'as encore moins de clients. Donc tu paniques, tu commences à faire l'écureuil qui cherche partout des solutions et des hacks. Mais ça ne marche pas, puisque c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Et donc en fait, ça marche encore moins, et donc tu paniques encore plus, et donc ton état interne il dégringole encore plus, et donc t'as encore moins de clients. Tout ça au départ, parce que t'as corrélé ton état interne au résultat, et pas au chemin. Et j'ai une cliente qui me demandait, Jérémy, comment toi tu fais si à un moment tu as moins de ventes pour pas te sentir mal? Bah déjà en fait, mon niveau de vente fait pas que je me sens bien ou pas. Hein. Bien sûr, je suis content quand je fais plein de ventes, mais je suis pas malheureux quand je fais pas de ventes en fait. Ça n'a rien à voir. Et donc en fait, je vais venir analyser ce que je faisais quand je faisais plein de ventes et ce que je fais plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est mon état interne qui a changé? Est-ce que c'est mes actions marketing qui ont changé? Est-ce que j'ai moins de gens qui me découvrent? Est-ce que j'ai moins de gens qui tombent amoureux de mes contenus? Est-ce que c'est moi qui vends moins, qui fais moins la démarche de vente, etc. Est-ce que je donne pas envie aux gens d'acheter mes produits? Il y a plein de questions comme ça que je me pose et c'est comme ça que en fait, je trouve les réponses pour résoudre le problème. Résolure. Je vais résoudre les problèmes pour résoudre le problème et pour retrouver en fait, un niveau de vente qui me rend content. Mais je n'ai pas corrélé mon état interne à ça. Tu vois, enfin, je suis heureux et je vais bien même quand je ne vends pas. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas corrélé. Et cette vidéo, je me rends compte qu'elle est très dense et je t'ai dit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va essayer de résumer. La recette secrète du succès. Aie très envie de devenir bon dans ce que tu vas faire, mais surtout trouve un moyen d'aimer le chemin avec un système qui est simple et que tu peux répliquer et que tu peux prendre plaisir à répliquer. Parce qu'en le répliquant, tu vas t'améliorer, donc tu vas kiffer devenir bon et indéniablement, en devenant bon, tu vas avoir plus de résultats, donc tu vas devoir vouloir être encore meilleur, donc tu vas encore plus appliquer, etc. Ensuite, ne corrèle pas ton état interne à ton niveau de vente. Fais attention au cercle vicieux dégueulasse dans lequel tu es malheureux, donc tu fais moins de ventes. Vu que tu fais moins de ventes, tu es plus malheureux. Vu que tu es plus malheureux, tu fais moins de ventes, tu vas aller chercher des solutions magiques. Ça va pas marcher, donc tu vas paniquer, donc tu vas être malheureux, donc tu vas faire moins de ventes. Ça, on ne le veut pas du tout. C'est justement tout ce qu'on t'explique dans le programme Mercure, c'est comment ne pas en arriver là. C'est très important pour nous que tu n'en arrives pas à ce truc-là dégueulasse. Donc de toute façon, si tu veux savoir comment intégrer le programme Mercure, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Et en plus, t'as ça, moi j'ai mal au bras, là je suis fatigué, j'ai envie de rentrer chez moi tranquille. Donc maintenant, je vais te mettre donc deux liens dans la description. Le lien pour le programme Mercure et le lien pour passer le quiz, pour recevoir mes emails privés, pour recevoir gratuitement mon livre. Et c'est déjà tout pour cette vidéo et c'est déjà bien assez. Maintenant, si tu as trouvé cette vidéo cool, tu mets un pouce vers le haut. Si tu es un vilain hater et que tu as décidé que tu m'aimais pas, tu mets un pouce vers le bas. Ça me va très bien, moi ça me pose pas de problème. Si tu as une vraie question et pas un avis à la con, une vraie question, tu me la poses en commentaire. C'est moi qui réponds systématiquement à chaque fois. C'est moi qui vais venir prendre le temps de répondre, que ce soit si tu réponds à un de mes emails, si tu es abonné à la liste email, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit bien, c'est moi qui réponds, c'est moi derrière à chaque fois. Et enfin, si tu penses que cette vidéo elle peut aider ne serait-ce qu'une personne, ce que je te propose c'est de lui partager, de le partager juste à une personne, comme ça un message privé, en disant écoute, j'ai pensé à toi, je pense que ça peut t'aider, je pense que tu as besoin de voir ça aujourd'hui. Si on arrive à partager à une personne après l'autre un message qui peut les aider, on aura un peu réalisé notre mission, Florian et moi, la mission de notre entreprise, ce qui est
d'aider les coachs à avoir des clients avec le système le plus simple possible, sans Lamborghini orange, sans publicité, sans marketing compliqué. Nous, on veut un luxe normal, le luxe de tous les jours, le luxe de kiffer la vie, de pouvoir profiter d'être avec ta famille, de pouvoir te payer ce que tu veux, voyager comme tu veux, avoir la maison que tu veux, mais on n'est pas obligé de louer des villas de 1500 m², on n'en a rien à foutre de tout ça. Si toi aussi c'est ce que tu veux dans la vie, probablement que tu es déjà au bon endroit. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt, bye.